Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel LaboCast 3D consacrée au scanner 3Shape Trios. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une empreinte pré-préparatoire afin de pouvoir enregistrer une dent avant la taille ou une provisoire après votre taille. Donc, dans le logiciel 3Shape Unite, créez un nouveau dossier en sélectionnant ou en ajoutant un patient existant. Choisissez le laboratoire. Remplissez votre fiche en fonction des indications que vous allez effectuer. Ici, nous allons mettre une couronne unitaire sur la 23 en choisissant de l'IMAX comme matériau, A3 en teinte et une IMAX stratifiée. Une fois votre bon de commande rempli, venez cocher la case pré-préparation disponible sur la droite afin d'activer le scan pré-préparatoire. Une fois la case cochée, vous allez pouvoir démarrer l'acquisition. Procédez alors à l'enregistrement de votre arcade avec la dent avant la taille. Je vous conseille de commencer par la face occlusale, ensuite de basculer la caméra en linguale et de venir finir en vestibulaire. N'omettez pas de scanner les zones importantes, les points de contact s'il y en a, et toutes les zones qui pourraient être critiques pour la réalisation de la prothèse. Le scan est à présent fini. Le logiciel vous indique de marquer la dent sélectionnée sur le bon de commande, ici la 23. En cliquant sur la dent, une zone bleue apparaît qui déterminera la zone de suppression afin de pouvoir réenregistrer votre préparation. Passez alors à l'étape suivante. Le logiciel découpe la zone préparée et vous allez pouvoir rescanner votre préparation en démarrant d'une zone connue par le logiciel. Si la surface de suppression automatique n'est pas suffisante, pensez à aller modifier dans vos paramètres ce réglage afin d'avoir un détourage plus large et ne pas avoir à réaliser de découpe manuelle. Un tutoriel est disponible à cet effet dans nos vidéos. Une fois votre empreinte réalisée, marquez de nouveau la dent. Et vos empreintes sont prêtes à être envoyées au laboratoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube LaboCast 3D afin d'être tenu informé de nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.